Ok. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un Insta contrôle ma journée et on commence tout de suite. J'ai pas grand chose à dire de plus. Du coup, la première chose que je vous ai demandé, c'est est-ce qu'aujourd'hui je reste dans mon lit un petit peu ou est-ce que je me lève? J'attends que la story se publie parce qu'ici j'ai pas de wifi. Je vais attendre un petit peu, je vais voir ce que vous me répondez. Soit je reste un petit peu au lit, je regarde des TikTok, soit je me lève et je commence à me préparer. Bon les amis, il faut savoir que sur les Insta contrôle ma journée, il faut vraiment être réactif. Donc là, ça fait une petite dizaine de minutes que j'ai posté et à 71% vous me dites lève-toi. Donc je vais me lever, c'est parti. Et le deuxième défi, c'est le maquillage. Est-ce que no make-up ou est-ce que je me fais belle? J'attends un petit peu d'avoir une réponse et on voit ça ensemble. Bon, je me suis mis sur mon endroit pour me maquiller parce que même si je me maquille pas, j'attends les résultats, mais dans tous les cas, je vais quand même nettoyer le visage, etc. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait le coiffeur aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, que je vais me démaquiller, comme vous connaissez maintenant ma petite routine. C'est simple, hein, je prends un petit coton. Tac, je prends nos micellaires. J'utilise celle-ci en ce moment. J'aime trop les trucs biphasés, je sais pas si je suis la seule. J'ai l'impression de plus rien avoir sur la peau après. Je sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais j'adore. Je vais regarder déjà où en est le sondage. Ok, il y a 75% de fais-toi belle. Donc de toute façon, je sens que vraiment ça va être écrasant et que je vais devoir me maquiller. Donc j'attends un petit peu, je vais juste mettre ma crème hydratante et on verra où ça en est. Mais là, je sens que ça va falloir que je me fasse belle. Allez, c'est parti! Bon, j'ai appliqué ma petite crème hydratante. Vérifions ensemble! Que vous avez la ref ou pas. Ça n'a pas changé, même si maintenant c'est 71%, mais c'est toujours fais-toi belle, donc je vais me faire belle, en fait. C'est parti. Par contre, je ressemble à rien, là. C'est pas grave, je vais être belle après, normalement. Oh, le truc qui dépasse et tout. Est-ce que je fais un petit sondage pour savoir quel fond de teint je mets? Donc, là déjà, vous m'avez dit Fenty Beauty. C'est vraiment mon combo que j'aimais beaucoup. Un peu de Charlotte Tilbury, un peu de Fenty Beauty. On mélange. En fait, je trouve jamais des fonds de teint matin, j'ai l'impression que c'est toujours trop jaune pour moi, mais bon. C'est parti. C'est pas mal, non? Ah ouais, j'adore. Ah ouais, j'adore. J'adore. Les amis, je suis prête, je me considère que je me suis faite belle. J'ai pas un make-up de fou, liner fossile et tout, mais je sais pas bien me maquiller. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres. Je fais des longs cils, je les ai bien travaillés. Donc voilà, et pour toute la rêve de mon make-up etc, ce que j'utilise c'est dans les premiers Mahomas. Donc c'est mercredi, vous aurez qu'à regarder. Maintenant on va passer à la suite. Ce que je vous ai demandé c'est la tenue. Ouh, c'est serré. Est-ce que je m'habille bien ou est-ce que comme il fait froid je m'habille confortable? Pour l'instant on est à 57% de habille-toi bien, mais c'est vraiment très 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 serré. Genre il y a vraiment quelques votes de différence. La majorité l'emporte, ça fait 10 minutes, un peu plus de 10 minutes que la story elle a été postée. Donc c'est parti, let's go, regardez comment je vais m'habiller. Ok, donc je suis en train de chercher ce que je me fous sur le dos. J'aurais bien aimé mettre ce pantalon Zara là, il est vert comme ça. Mais le problème c'est que je sais pas du tout avec quoi le mettre. Genre j'aurais trop mis à le mettre avec la chemise qui va avec, mais je l'ai pas, donc bon. Et on a dit que je m'habillais classe. Enfin, bien habillée quoi, pas forcément classe, mais juste que ça donne un style quoi. Que je sois fashion, you know. Moi j'ai aucune inspi là. Hello darkness my old friend. J'ai envie de mettre cette veste. C'est un perfecto beige. Avec quoi je mets ça? Je crois que je vais mettre un jean bleu. Mais le problème c'est que je rentre plus dans rien vu que j'ai grossi. Donc bon. Non mais on a dit que je m'habillais bien. Il faut que je sois stylée genre. Je suis pas obligée d'être chic. J'ai mis je m'habille bien ou est-ce que je m'habille confortable? S'habiller bien c'est pas forcément s'habiller stylé. Parce que là je sais pas quoi mettre pour être chic, wesh. C'est froid donc quand même il faut quand même que je m'habille chaudement. Enfin à un moment donné je vais pas non plus choper la crève pour une vidéo quoi. Si? Non. Non mais c'est die, je mets pas une robe, c'est mort. Ah je vais essayer de me faire un petit look. Faudrait que je trouve mon pantalon bleu. C'est parti, je vais tester la tenue et je reviens avec vous dire si c'est beau. Bisous. Je vais aller me foutre dehors. Ouh, je m'accroche. Ok. Oh
J'ai failli me casser la gueule en direct live. Du coup, on va faire attention. Vraiment la honte. Je suis vraiment la pire youtubeuse qui puisse exister, genre. Bon, du coup, je pense que là, c'est bon. J'ai mis mes petites Converse. Mon legging, c'est un Shein. Mon manteau, c'est un Boohoo. Mon pull, c'était à ma mamie. Je crois que c'est du cachemire. Et ça, c'est un sac, le Tanner. Voilà, les amis. C'est parti les amis, prochain sondage, j'ai fait un setup avec toutes vos commandes. Est-ce que je prends une photo et que je posterai sur le Insta de Maujoie ou une photo que je posterai sur le Insta d'Auricole? J'attends d'avoir votre réponse et j'essaie de faire un truc cool. C'est très 50-50, bon bah écoutez, je ne sais pas. Maintenant je vais voir si je mange en live ou pas, c'est parti. Bon, vous avez choisi que je mange des coquillettes et pas que je gâche mon blanchiment dentaire et que je mange en live. Dites coucou. Bon les amis, j'ai mangé en live, maintenant je vous ai posé une nouvelle question. J'ai un trajet de 30 minutes en voiture. Je vous ai demandé, est-ce que je mets la musique à fond pendant 30 minutes ou zéro musique? Là c'est vraiment de la torture, si vous mettez zéro musique, je pleure. Donc je compte sur vous, je me prépare là et on va voir le résultat. Bon les amis, c'est parti, on va regarder le résultat, je suis dans la voiture. Qu'est-ce que vous avez fait de moi? Vous avez dit à 88% musique à fond, donc je vous aime, vous êtes les vrais. Donc c'est parti, musique à fond, on y va, go, rendez-vous. Tu me ramènes des problèmes. Moi j'aime trop comment tu bouges. Tu me ramènes des problèmes. Bah pour le coup oui, ça me ramène vraiment des problèmes. Ouais, je peux pas sortir de chez moi. Super, demi-tour. Bon, je suis bien arrivée au salon. Du coup je vais vous faire voter pour ma coupe, la couleur, qu'est-ce que je fais, tout ça tout ça. Je vais mettre les stories et je vous tiens au courant. Bon du coup il s'est fait beauté entre blonde ou brune. Et laissez pousser vos franges rideaux. C'est parti, je vous laisse le suspense, vous allez voir. Pour les amis, il fait nuit, vous devez rien voir. Mais ma coupe est trop belle, trop contente. Je suis arrivée au resto. Soit je mange Eat Salad, soit je mange Subway. Regardons ce que vous avez dit. Bon les amis, j'ai fini de manger. J'ai oublié de vous prendre en photo, mais du coup j'ai mangé Eat Salad. Je rentre à la maison, c'est parti. Bon les amis, je suis rentrée du restaurant, donc je suis allée chez Eat Salad. J'ai pas pris en photo mon plat. Je suis vraiment la pire. Et là je viens de rentrer à la maison. Donc petit démaquillage. J'ai pas trop d'autres idées de sondage. Genre Insta contrôle ma journée. Je vais pas vous faire un sondage. Je prends un bain ou une douche. C'est bon. C'est nul. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez une édition 2. Et si vous voulez une édition 2, dites-moi des petits challenges que je pourrais faire. Parce que si je fais une édition 2, moi je trouve qu'il faudrait que ce soit un peu plus croustillant. Genre pas juste vous choisissez des trucs un peu bateau, tu vois. Genre j'aimerais bien faire des trucs un peu, me lancer des challenges et tout. Moi ça peut grave m'aider. Et puis mettez un like etc pour que je sache si cette vidéo vous a plu tout simplement. C'est important pour moi. Mis à part ça, je suis trop contente parce que le premier Mahomas sort mercredi. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, les Mahomas c'est je filme pendant une semaine. Donc là je filme depuis mardi et je m'arrête de filmer mardi. Et en gros je vous montre toute ma semaine. J'ai des rendez-vous vraiment trop cool. Surtout lundi, un rendez-vous que j'attends depuis tellement de temps pour me faire enlever un complexe. J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que je stresse, j'ai peur que ça marche pas. Enfin, bref, j'ai trop hâte. Donc soyez là pour le Mahomas de mercredi parce que je vais tout vous expliquer à l'intérieur. Donc voilà. Et puis sinon, bah voilà. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, venez me suivre sur Instagram, évidemment c'est la base, c'est là où je suis le plus présente, où je vous demande toujours votre avis, etc. Donc venez me suivre. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi pour ceux qui vont regarder mes petits Mahomas. Et puis voilà quoi. Je vous love grave et j'espère que vous allez kiffer. Bisous!